Et bonjour Hugo Bernalicis, député La France Insoumise du Nord. Vous avez été vous-même fonctionnaire au ministère de l'Intérieur. C'est quoi un bon ministre de l'Intérieur d'après vous ? Bah déjà, un bon ministre de l'Intérieur, c'est effectivement quelqu'un qui connaît un peu le ministère de l'Intérieur, qui d'ailleurs ne se résume pas à la police et à la gendarmerie. Vous avez aussi tout le volet administration territoriale de l'État, avec toutes les préfectures, les sous-préfectures, et c'est pas un petit morceau. Mais clairement, on a besoin de quelqu'un qui soit volontaire, disponible, parce que vous êtes dans un ministère où l'autorité, la hiérarchie est la colonne vertébrale. Et donc, il faut que tout se tienne, et surtout la tête et la responsabilité politique. Il ne peut pas y avoir plus de responsabilité politique, plus de pilote dans l'avion dans ce ministère. Ce n'est pas possible. Après, vous savez, de vous à moi, si on change la tête de celui qui est la tête du ministère de l'Intérieur et pas la politique qui est poursuivie, on risque de rester sur notre faim. Alors justement, l'an 2 que la majorité veut nous vendre, vous y croyez, ce nouvel élan, ce nouveau souffle, notamment à l'Assemblée aussi ? Écoutez, moi, je ne sais pas quel soit le choix d'Emmanuel Macron. Je vois qu'il n'a pas, effectivement, pas de bon choix, en l'occurrence. Mais encore une fois, regardez, Nicolas Hulot s'en va pour des raisons politiques. Il semblerait que Gérard Collomb s'en aille pour des raisons de dérive, on va dire monarchique, de la monarchie présidentielle d'Emmanuel Macron. Et qu'est-ce qu'on fait en face de ça? On cherche le mouton à cinq pattes qui correspond le mieux à la direction du ministère de l'Intérieur, alors que la question qu'on devrait se poser, c'est comment reprendre main sur les politiques publiques qui sont menées et faire en sorte qu'on redonne du sens au métier de policier, par exemple. Voilà, il y a encore eu un suicide il y a une semaine à l'hôtel de police de Lille, sur le lieu de travail d'un adjoint de sécurité. Je pense qu'il est temps qu'il y ait un ministre qui prenne à bras-le-corps ces questions-là, et qu'on arrête d'être dans la politique politicienne. Restez avec nous, je voudrais vous montrer un reportage, ce que vivent vos camarades, ce que vivent vos pairs de la majorité en ce moment. En circonscription, c'est pas évident d'être un élu LaREM. Reportage Fanny Regnault, Jean-Vincent Bolligny. Il est 11h16 et on est de retour avec le son qui va bien. Hugo Bernalicis est toujours avec nous. Merci d'avoir été patient, député de la France Insoumise du Nord. On évoquait, juste avant de se quitter, Hugo Bernalicis, le mal-être des députés de la majorité qui vivaient des instants pas faciles en circonscription. Est-ce qu'ils vous en parlent ? Oui, bah c'est clair que moi je suis quelqu'un plutôt taquin, donc j'aime bien les taquiner un petit peu. Et c'est clair qu'en ce moment c'est compliqué pour les députés de La République En Marche, c'est compliqué pour la majorité. Pourquoi ? Parce que la décomposition est commencée. Et il y a plusieurs signes à ça. Vous avez effectivement la démission de Nicolas Hulot, la démission de Gérard Collomb, mais aussi en cascade les votes qu'il y a eu pour la présidence de l'Assemblée nationale, où ce n'est toujours pas une femme, le vote de la présidence du groupe La République En Marche, où on a vu que le vote était plutôt serré, en tout cas il y avait une grosse division au sein du groupe La République En Marche. Moi je pense que cette décomposition, elle va continuer, et c'est aussi nous notre responsabilité de principale opposition dans le pays de continuer à faire valoir nos propositions alternatives et de dire que nous nous préparons à gouverner le pays, parce que je ne crois pas à un rebondissement de la part d'Emmanuel Macron ou de la majorité, à un regain dans les sondages ou je ne sais trop quoi. Je pense que tout ça va assez mal finir pour eux. En attendant, il reste au pouvoir. Qu'est-ce qu'il faut souhaiter ? Plus de politique ou plus de société civile au gouvernement ? Moi, je souhaite plus de politique dans le but d'avoir de faire valoir l'intérêt général et l'intérêt général humain. Voilà, que ce soit en matière de sécurité, que ce soit en matière d'environnement. Vous savez que la bataille a été lancée sur la question du glyphosate et sur les pesticides. J'étais encore à un rassemblement vendredi, rassemblement à l'appel d'un message qui disait « Nous voulons des coquelicots ». Voilà, c'est ça la société civile aujourd'hui qu'elle veut. Hein, donc au-delà de mettre quelqu'un de la société civile au gouvernement, c'est reprendre les revendications d'intérêt général qui émergent dans le pays, et elles vont à l'opposé de ce que compte faire le gouvernement et Emmanuel Macron en la matière. Merci Hugo Bernalicis d'avoir été l'invité du Live BFM ce matin.